Ben, là je vais te préparer, après je vais venir. Je mangerai devant ton stream, t'inquiète. À tout à l'heure. Je suis là, je lance le jeu. Ne bougez pas. S'il y a des gens, s'il y a personne, il risque pas de bouger. C'est le bon point. Hop. Mince, on met la scène évidemment. Hein, parce que lancer le jeu c'est gentil, mais si t'as pas la scène qui va avec, ça sert à rien.
Est-ce que vous voyez? Oui, nickel, vous avez la vision du jeu comme il le faut. J'ai même pas fini celui-là, il manque le dernier niveau, je crois. Partie plus, ah ouais, c'est tellement plus dur en partie plus. Hop, mais qu'est-ce que j'ai pris? Je me suis trompé de partie. Mais oui, je me suis trompé de partie. Oh, débilos. Bravo, bravo. Trop de trucs. Allez, hop, on y va. Ah, ah là, tu vois en couleur du coup ce qu'il regarde. C'est sûrement une photo. Ou une boussole, peut-être avec le temps qui passe, je sais pas. Est-ce que tu peux mourir ici? Ah oui, tu peux mourir ici. Non, seigneur, je craignais vous avoir perdu pour de bon. Je vous en prie, prenez garde à où vous mettez les pieds dans la tour. Ah d'accord, c'est pensé. Ok. Oh. Ok. Bonjour toi. Je suis le meilleur des aiguisés, vous pensez être meilleur que tout le monde, j'attends de voir ça. Toi tu me dis quoi? Tu veux devenir aussi cool que moi quand tu sautes d'un rail et puis essaie d'appuyer sur haut bas pour placer des tricks de ouf. Ah. Ah ouais d'accord. Effectivement. Yay, tu fais des tricks de ouf. Nickel. Ah d'accord, il est là du coup. Cette forteresse n'est pas faite pour les guerriers, mais il y a de la viande à foison. Je vais peut-être quand même rester encore un peu. Ah, c'est le moment de dépenser des sous. Si je peux. Payez, puissant, vous serez. J'ai pas assez. J'ai peut-être des crânes par contre. Ah d'accord. Ah du coup j'ai assez. Alors let's go. Allons-y. C'était toi là-bas. Tout à fait. Je voulais améliorer traverser les obstacles et récupérer l'or. D'accord. Ouais, mon soin, je pense que c'est intéressant d'améliorer le soin. Voilà, super. Hop, soin amélioré. On se casse. Et maintenant, on va voir si je peux acheter quelques magies avec mes crânes. Mon cœur se change en glace, j'ai l'occasion de nouveaux curieux, mais allez-vous trouver des crânes rouges? Tout à fait. Faux araignée, lance une faux qui escalade les obstacles. Oh, une puissante attaque à coup de portée. M'intéresse pas trop la puissante attaque à coup de portée en vrai. Hein. 5 plus, de toute façon, je peux avoir les deux, donc on va prendre les deux. Hein. Ah, ce curieux bien gardé. Même si je peux vous mener jusqu'à lui, vous trouverez le sujet pour ressortir. La zone est maudite également, avancez prudemment. Donc c'est que ça, je peux pas faire de coup de faux. Sur Y, lancer une faux qui escalade les obstacles. D'accord. Ah, sympa ces faux là. Hop, allez, envoie ta faux, mec. Oh, c'est vachement bien comme faux. Hein. Ah merde, du coup je me suis foutu dans la merde là. Oh là, je me suis tellement foutu dans la merde. Non, c'est bon. Tout va bien. Oh, c'est stylé. Apprends celui-là. Apprends celui-là, j'ai dit. Voilà. Coucou squelette arrogant. Comment tu vas? C'est mon correcteur, pas de soucis, pas de soucis. Excellent, filons d'ici. Excuse-moi, j'ai peut-être mis un peu de temps avant de te repérer. Pff, je suis désolé. J'ai pas mis mon téléphone au bon endroit malheureusement parce qu'il recharge et c'est sur mon téléphone qui a le chat en ce moment vu que j'ai pas de double écran pour le moment. Ça reviendra hein, mais en attendant, en fait avec les moyens du bord, et les moyens du bord c'est pas terrible. Hein. Donc voilà, tu connais toute l'histoire maintenant. Allez, on va prendre d'autres magies. Non mais parle, parle au monsieur. Allez, on va prendre cela, voilà. Ah, c'est curieux, bien gardé, même si je peux vous mener à lui, vous devrez lutter pour ressortir, comme d'hab. Ça
Cette zone est maudite également. Eh oui, comme toutes les zones. T'inquiète, ça va, d'accord, pas de soucis alors. Avancez prudemment. Appuyez sur Y, une puissante attaque à courte portée. Tout à fait. Paf! 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 Ah, c'est quand même vachement bien. Paf! Ah, ça me fait un petit boost dans les airs aussi. D'accord, c'est très très bien. Excellent, filon d'ici, c'est vachement bien ce truc. Ta cam est... Ah oui, ma cam est clairement mal centrée, oui, effectivement. Ah, je l'ai fait bouger. Je l'ai fait bouger en bougeant les fils. Bravo. Alors, c'est Shovel Knight Spectre of Torment, c'est-à-dire la dernière extension sortie du jeu. Ouais, c'est bien, ma cam elle est bien là. Enfin, elle est bien en tout cas, on me voit. C'est-à-dire que c'est pas Shovel Knight. Enfin, si, mais non. C'est Shovel Knight sans être Shovel Knight, tu vois. C'est une extension vraiment retravaillée du jeu. Où, du coup, ils ont changé le personnage principal, le gameplay, les niveaux et les coups des boss. Oh, ça me saoule ce téléphone là. Bon, on va te laisser un petit peu recharger vite fait. Après, une fois que tu seras chargé, hein, tu seras moins chier. Ils étaient avec sagesse. Oui, bah oui, je suis quelqu'un de sage de toute façon. Très très bien ce coup. Regarde ce que je peux faire avec. J'ai un petit dash dans les airs avec ça, regarde, en vrai. Hop là, un tout petit, hein, mais c'est suffisant. Ah, j'ai utilisé tout mon argent. Ah bah oui, me revoilà. T'as aussi l'extension avec le mec qui envoie ses potions là, j'ai perdu son nom. Ah, bref, t'as deux extensions, sauf que celle-ci est plus complète que l'autre, parce que l'autre elle reprend vraiment les niveaux de Shovel Knight. Les niveaux au mot près de Shovel Knight, sauf qu'elle rajoute quelques zones en plus. Et t'as un gameplay totalement différent. Là non seulement t'as un gameplay différent, mais t'as des zones qui sont totalement différentes aussi. Allez hop, prochaine zone. Alors la question est, où je vais? Sachant que j'ai fini le navire et les plaines. Ah voilà, c'est Plague Knight que tu peux jouer aussi. Est-ce que, pour vous, je vais l'Explosatorium? La cité perdue. Ça fait très Indiana Jones dans l'âme, la cité perdue. La baleine de fer. La machine volante. Le jardin des liches. La tour de l'horloge. Ou le donjon de Fierland. Où vais-je? Le choix vous appartient. Je compte sur vous pour m'éclairer. Et me dire où aller. Sachant que plus on va sur le côté, plus c'est dur. Hein. C'est-à-dire que, bon, si je vais par là sans avoir fait les... si je vais là sans avoir fait ces trois niveaux-là, ça risque d'être dur pour moi. Et donc vous allez me voir mourir en boucle. Ça dépend ce que vous voulez voir après. Hein. Enfin, je pense, hein, je suis même pas sûr. Hein. Ça se trouve, c'est pas vrai ce que je vous dis. Hein. Putain, je peux avoir des infos dessus. J'ai toujours rêvé de grimper à bord de la machine volante, les galas, la vie nocturne, la supériorité aérienne. D'accord. Alors là, voilà ce qu'il dit sur la machine volante. Ensuite, qui pourrait se présenter meilleur financier que Treasure Knight? Avec ses richesses englouties, les choses finiront forcément par tourner en sa faveur. Un drôle de bonhomme, ce Mole Knight. Avec son talent pour l'excavation, nous pourrions déterrer d'anciens trésors et saper les défenses de nos ennemis. Plague Knight. Se pourrait-il que l'alchimiste fou Plague Knight choisisse de rejoindre notre cause? Ses potions seraient un plus, à condition de parvenir à le contrôler. King Knight veille sur Fierland depuis son château, mais ses rénovations semblent être actuellement au point mort. Tinker Knight est le plus grand ingénieur du royaume. Acceptera-t-il de créer nos outils de destruction? Et donc, j'ai entendu parler d'un fantôme qui entrait le jardin des liches. Vous avez bien du courage de vous y aventurer, restez sur vos gardes. Bon alors, où vais-je? Ah, Plague, d'accord. J'adore la bière et la lèpre, ça me fatigue. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui malheureusement n'est pas affiché que le chat avait descendu. Donc Plague Knight, c'est parti. Monseigneur, êtes-vous prêt à partir pour l'Explosatorium? Eh oui, c'est parti. Alors ça, voilà, tu vois comment il apparaît déjà, Foz. C'est le Dark Kiku, je te disais, c'est ton héros, lui. Avec le cap au vent et tout. Et voilà. Alors ça, c'est le truc, quand je marche dessus, ça fait des flammes. Regarde, ta. Hop. Y'a rien en bas? Bon, non, y'a rien en bas. Hop.
Aucun souci. Hop, voilà. Zéro souci. Les pics ça one shot dans le jeu, hein, évidemment. À part quand j'ai des. Heureusement, les pics ça one shot, mais j'ai des. J'ai perdu le nom. J'ai des frames d'améliorabilité quand je me prends un coup. Ce qui fait que ça me one shot pas quand je me prends un coup juste avant. Tiens, soignons-nous d'ailleurs. C'est Y. Tellement Dark Sasuke, ouais, non mais clairement. Mais c'est un peu fait exprès et c'est sympa, franchement. Ah, ça c'est un faux mur. Vous voyez un petit trou là, on le voit. Oh, le mec, il... le coffre il était déjà ouvert, c'est pas moi. Hein. J'ai pas halluciné là. Hein. Alors, ah. Et meurs bien toi. Allez hop, on y va. Paf, paf, ah des sous. Toujours là pour les sous. Alors ça c'est des bestioles chiantes. Voilà. Je vais aller là-haut. Pas par là. Oh, oh l'enfoiré. Allez hop, on y va. On va là-bas. Alors ça c'est des raies explosives si je dis pas de bêtises. Qui t'explose la figure, qui te saute dessus et qui t'explose la figure. Voilà. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que... Alors lui on va le taper et on va regagner sa vie. Badaba. Non c'est bon. Ah c'est un faux mur celui-là. Hop là. Un crognon. Oh j'en ai pas besoin de son crognon de pomme. Hop, grimpe là-dessus. Paf, paf, on te tue, tu crèves. C'est comme ça la vie mec. Alors. Ensuite là-bas il y a des sous. Là où il y a des sous, il y a moi. C'est comme ça que ça fonctionne hein. Alors là il y a des âmes. Oh là là, j'ai tellement failli mourir comme un caca. Tant pis, c'était pas trop mal dans l'idée. Ah ouais. L'idée est pas trop mal hein, c'est là un peu la l'exé qui a un peu plus de mal. Là, là ça devrait être bon là. Ah non, je peux pas m'accrocher sur celui-là, d'accord. Il est brillant donc c'est-à-dire que je peux pas m'accrocher dessus. Ok, c'est ce que je pensais, je peux pas m'accrocher sur celui-là. Ceci est un mur pas comme les autres. Voilà. Hop, et on y va. On récupère le crâne rouge qui me permet d'acheter de la magie après. Ce qui est une bonne chose. Voilà. Oh là là, carrément, les potions elles pop toutes seules maintenant. Oh là là, quel enfer. Mais non, on retourne par là nous, parce qu'on est un peu... voilà. On veut cette chose là. Comment je les récupère? Est-ce que je peux taper dedans pour qu'elle rebondisse ailleurs? Ah, tout à fait. D'accord. Ok. Ok. Parce que j'ai un crâne à récupérer là. Les mecs ils s'en rendent pas compte eux. Ah d'accord, ça casse ce truc là. Ok, tout simplement. Pourquoi se faire chier quand t'as simple? Oh là là, casse-toi là-haut. Là normalement je peux profiter de ça pour... Pas du tout. Ok, je retire ce que j'ai dit, je peux pas profiter de ça du tout. Ça, ça casse ça. Non, là-haut. Voilà, tout à fait. D'accord, t'as pris cher mais c'est pas grave. Tu as trouvé une pièce cachée. Un secret. Qui te débloque un truc. Je crois que ça va augmenter mes. Mon mana. Je crois que ouais, ça augmente mon mana ça. Ce qui est une très bonne chose. Pam pam. Voilà, votre max de ténèbres pour utiliser plus de curios, tout à fait. Ce qui veut dire que je peux me soigner maintenant. Padam. Putain mais Jake Kaufman c'est tellement mon héros ce compositeur. Oui bon c'est probablement pas qui c'est mais moi je le sais donc c'est le principal.
C'est le mec qui a fait toutes les musiques des Chantae, de celle-ci, qui a repris une partie de la bande-son sur Crypt of the Necrodancer, enfin, qui a repris, c'est pas tout à fait le mot, qui a fait une des bandes-son disponibles sur Crypt of the Necrodancer. Et elle est terrible en plus, sa bande-son. Dans le sens, elle est géniale, quoi. Oh là là. D'accord. J'ai compris, mais je suis pas très rassuré. Allez, nickel. Ah non, c'est pas des plateformes, ça, c'est vrai. C'est du décor. Alors là, faut faire gaffe parce que. C'est le one shot, hein. C'est le one shot, les pics, hein. Faut pas oublier. Voilà. On est le meilleur, hein. On n'a pas panique du tout. Même pas un peu. C'est ça, ils explosent ceux-là. Vas-y, explose bien. Plus de ténèbres pour le Dark Eku, bah oui, c'est ça. Et là, il y a mon rein. Bon, évidemment qu'on va y aller, hein. Vous posez la question, mais vous le savez. Hop. Allez, nickel. Aucun souci. On récupère de la vie pour la perdre, hein. C'est un peu ma marque de fabrique. Tu meurs, pas de soucis. On gagne de la vie. Et voilà. Hop. Paf. Paf. Checkpoint. Ici. Tout à fait. On le voyait. Allez, hop. Et voilà, on est le meilleur. Aucun souci. Non, mais c'est la musique du niveau, Fuzz. Il y a des musiques qui sont beaucoup plus cool, mais celle-ci, effectivement, elle va très bien avec le niveau. C'est ce que je veux dire par là, elle est parfaitement dans l'ambiance. C'est pas mon genre de musique non plus, tu vois. C'est pas du tout le genre de musique que j'écouterais en dehors du jeu, hein, par exemple. Hein. Mais elle va parfaitement dans l'ambiance du niveau. Genre, vraiment parfaitement, quoi. Allez, saute. Saute. Ok, c'est l'eau qui conduit cette merde. Non, non, non. Pff, merci le wall jump. Mais non, aucun souci. Oh putain, je vais les prendre tous. Alors là, on va passer par là, hein, puisque bon. Ok, alors ça, je peux le taper. On va gagner de la vie. On va attendre que le piaf y passe. On a besoin de lui pour passer plus haut. Voilà, hop, comme prévu, on a besoin du piaf pour passer plus haut. Allez, meurs bien, toi. Voilà. Nickel. Et, j'en suis où dans le niveau? Ah, je sais pas. Ah, c'est le demi-boss. Il n'y a pas forcément de demi-boss par niveau, mais lui, il en a un. Allez, défonce-le. Il est gratos, lui. Il va l'être, en tout cas. Il tape au sol quand il fait ça. Voilà, nickel. Et tu regagnes ta vie parce que t'as plus grand-chose, hein. Voilà, parfait. Est-ce que ça se casse, là-bas? C'est bizarre, quand même. Non, ça se casse pas, c'est ce que je pensais. Hop, un peu à bouffer. Évidemment. Oh là là, mais quel nul. Ah là, nickel, pas de soucis. Reste là-bas. Parce que les flammes me poussent totalement dans le vide, hein, au passage, hein. Si tu fais pas gaffe, hein, évidemment. Meurs bien. Tant pis pour les souquets là-bas. Pour une fois, je vais abandonner de l'argent. On gagne ta vie. Tac, 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 pas de soucis. Hop, on passe par là.
Voilà, nickel. Ah, il y avait rien pour te le montrer celui-là, tiens. Je suis tapé en me disant qu'il y aurait peut-être quelque chose. Ou il y a peut-être quelque chose pour te le montrer, mais j'ai pas vu du coup. Pas impossible non plus, hein. Alors. Non, j'ai rien à faire par là-bas. Ah là, ça je l'avais vu. C'est ça que je voulais depuis le début. Hop. Hop. Nickel. Récupère de l'argent. Money, money, money. C'est ça que ça va être moins marrant. Voilà, pas de soucis. Le mec abandonne de l'argent au calme. Ouais, mais c'est pour en récupérer plus, Foz. C'est une stratégie, tu vois. Voilà, ça casse, évidemment. Et là, c'est des sols qui cassent, ouais, c'est ça. Meurs bien. Bah, attends, il y a de l'argent ici aussi. Paf, paf. Non, le rose. Non, non. Le rose, c'est beaucoup d'argent. Je le hais. Non, là, ça casse pas. Ah, par contre, là-haut, ça casse. Ah, ça, ça me stoppe, ça. Pas de soucis. Derrière ça, ça casse. Paf. Ah, une épreuve sympathique. Aucun souci. Ah, c'est un fou. Oh, il y a des faux coffres. Oh, oh, il m'a défoncé. Il fait tellement mal, le faux coffre. Oh, je m'attendais tellement pas à ce qu'il fasse mal, le faux coffre. Oh là là, pire ennemi du jeu. Bon, c'est pas grave, il abandonne de l'argent, le faux coffre, alors... Oh, il est encore. Oh putain, deux cœurs à la fois, ouais, putain, le faux coffre, il fait super mal. C'est bon, il est mort, le faux coffre, là. Cette enflure. Allez, aucun souci. Ok, c'est un raccourci ici. Mais non. Ok, toutes les prises, c'est pas grave, hein, c'est fait, c'est fait. Oh là là, mais quel enfer. Ça, tu peux pas grimper dessus. Comment je suis censé passer là-haut? Ah, d'accord, faut que je passe sur le côté là. Tout à fait. Avec ce foutu rat qui m'embête. Soigne-toi. Ok, évidemment. Voilà, meurs bien, toi. Hop. Et on y va. Et là, il y a le boss juste derrière. Il y a de la bouffe ici, tout à fait. De la magie là-haut. D'accord. Bon, bah, pourquoi pas. Ah, trouvez-moi un embaumeur, il n'est vraiment plus très frais celui-là. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là? Montre-toi, je suis venu t'offrir le poste d'alchimiste de la cour auprès de l'enchanteresse. Joins-toi à nous dans son armée de chevaliers invincibles. Oh ben, ça ne rigole pas, des chevaliers invisibles. Dis-moi en plus, ha ha ha, boum. Tu ne me prends pas au sérieux, Bafo sera peut-être plus à même de te convaincre. Ouais, tu vois... Ah mais arrête de sauter! C'est insupportable, mec. Ah, il a deux maintenant. Ok, très bien. On va te défoncer la tronche, mec. Tu vas rien comprendre. Paf. Paf, paf, paf. Ok, c'est pas grave, pas de soucis. Ça va prendre super cher, de toute façon. Paf. Ah, ils sont trois maintenant, carrément. Aucun souci. Voilà. Hop, tu dégages. Je lui ai bourriné la face à celui-là. Aucune finesse dans ce que j'ai fait, hein, on est d'accord. Juste du bourrinage intensif. Ah, voilà. Et hop. Ah, tiens, une cinématique. Enfin, une cinématique. Si.
C'est quand il était humain, ça. Nous sommes presque, je le sens. Il s'appelait Donovan. Enfin, Donovan, mais bon. Donovan, c'est plus sympathique. En effet, ce voyage aurait été fort long. Allons-y. Donc la barbe fut une fois barbue. La mort, je veux dire. La mort fut une fois barbue. Ouh là là, ça va plus. Ok. Chostrap appuyé sur éparpille des piquants devant son adversaire sans méfiance. Ah. Ok, il a vraiment le même gameplay quoi. Ok. Ah oui d'accord, il m'aide lui en fait. Ok. Tiens, vas-y, prends-toi les choses trap. Hop, aucun souci. C'est un acrobot mon pote en fait. Ok, aucun souci. Ok, nickel. Hop là! Aussi délicat qu'un char d'assaut dans la boule. Ouais, non, mais c'est ça. J'étais clairement. C'était moi. Hein. On est d'accord. Mais bon. Le mec, il triche, il se double, il se triple. Au bout d'un moment, il en a marre. Hein. Mais tant d'argent ici! Ne pas tout perdre bêtement. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Ah, aucun souci. Mais non, mais. Ah, j'aurais dû faire le wall jump, je suis le pire. Oh là là. Oh là là. Je récupère tout pour tout reperdre, quoi. Aucun souci, mec. Hein. Là-bas, il y a que de la bouffe, je suis full life là pour le moment. Bon, tu as arrêté de contrer, toi. Elle meurt bien. Bon, tant pis, il m'en manque un, mais je crois qu'il est, il est fichu celui-là. Hein. Alors là, non, ça se casse pas, donc on récupère ce qu'il y a là-dedans. Récupère l'argent. Alors, que se passe-t-il? Que dirais-tu de s'arrêter ici pour la nuit? Ah, et c'est là où il est en ce moment, en fait. Pff, Donovan, un père ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Crois-tu vraiment que l'amulette pourra le protéger de tous les maux? Il est clair que ton garçon a encore beaucoup à apprendre sur ce monde, mais si ce bijou est aussi puissant qu'on le dit, je ne peux qu'espérer que la légende soit vraie. Ne t'en fais pas, nous ne repartirons pas les mains vides. Allons, reposons-nous un peu, et demain, nous verrons bien ce qu'il en est. Et voilà, c'est l'histoire de Donovan. Avec le popa de je sais pas trop qui. Mais de quelqu'un j'imagine. Et je suis riche. Parce que bah évidemment, l'argent que tu gagnes dans les flashbacks, tu le gagnes pour de vrai. Déjà, allons voir lui. Ah carrément 11. Mon cœur se change en glace, j'ai localisé de nouveaux curios, mais avez-vous trouvé des crânes rouges? Mais tout à fait, libère une âme perdue qui rebondit sur les surfaces. Pourquoi pas? Ce curieux est bien gardé, même si je peux vous mener à lui, vous devrez lutter pour ressortir. Cette zone est maudite également, avancez prudemment. Quand il dit que la zone est maudite, je peux pas utiliser mon arme en fait, ma faux. Ça me bloque. Voilà comme ça. Appuie sur Y, libère une âme perdue qui rebondit sur les surfaces. Tout à fait. Ok. Simple, efficace, moi ça me va. Allez, on monte tranquillement. Paf! Allez, aucun souci. Ah, non, pardon. Pardon. Non. Bon, d'accord. Chemin étrange, mais le principal, c'est d'y arriver. Hein. Nickel. Ce curieux est loin d'être une babiole. Lisez-en avec sagesse. D'ailleurs, est-ce que je perds des frames ou ça va? Oh non, ça va! 32 images perdues, je suis tellement bien!
Depuis le début, je suis à 0,1% de drop. Et c'est quand j'étais au... en appel avec Foz en plus, je crois. Nous aimons votre or, nous aimons votre manteau touché, nouveau pouvoir. Oui, enveloppé dans les ténèbres. Ah, est-ce que je prendrais pas celui-là? Parce que bon, d'accord, il coûte 8000, il sert à rien. Mais j'aurais l'air encore plus impressionnant et terrifiant qu'avant. Est-ce que c'est pas le principal à prendre? Parce que bon, d'accord, ok, perdez moins de trucs, moins de volonté et tout, d'accord, ouais, super. Je peux grinder sur les surfaces et les pics comme sur des rails, ouais, bon, c'est utile, d'accord. Mais à part ça, est-ce que l'important c'est pas d'être classe? Je vous demande, hein. Est-ce qu'on n'en a pas rien à cirer de l'utile? On est fort, de toute façon, on est craqué. Est-ce que je suis mort une fois dans le niveau? Bon oui, peut-être une fois ou deux. Mais est-ce que c'était grave? Bien sûr que non, c'était pas grave. Bien sûr que non, c'était pas grave. En quoi ça aurait été grave? Ça n'était pas grave du tout, pardon, je vous remets la musique, évidemment. Alors, qu'en est-il? Y a-t-il encore des gens sur ce chat pour me répondre? Go, 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 go! Ah, on va être classe. Ça va servir à rien et ça va coûter cher, mais on va être classe. Évidemment. Ah, voilà. Ah, et puis en plus, j'ai une onde derrière et tout. Ah, voilà, là, je me la pète comme il faut. Oh, mais c'est à la Castlevania, mec! Tellement cool. J'ai rien de vendre mon spectu. Et ouais, j'ai tout récupéré pour le moment, pas de soucis. Eh ouais, je suis le meilleur, c'est comme ça, c'est dans ma nature. Voilà. Et du coup, je peux récupérer le premier, hein. Quand je veux, hein. Et celui-là quand je veux aussi, hein, évidemment. Voilà. On va faire un niveau comme ça. Dois-je préparer le miroir magique pour votre départ, monseigneur? Fais-le. Minable. Et quel est le niveau que je vais faire? Alors, il y a encore le choix, hein. Le donjon de Fierland. King Knight. Alors, comme info, King Knight vers sur... Ouais, bon, on l'a déjà vu l'info, de toute façon. On a déjà vu toutes les infos. Donc, toujours King Knight. Tinker Knight. La tour de l'horloge. Le jardin des liches, le frappeur fantôme, la machine volante, Propeller Knight, la baleine de fer, Treasure Knight, et la cité perdue, Mole Knight. Où vais-je? Vu qu'il n'y a plus de... Je crois que Fozug ne doit plus être là. Il doit être en plein jeu. Ou alors peut-être qu'il a... Il a dû finir de manger depuis le temps. Il a dû repartir sur Overwatch. Sans rien me dire, le troublion. Ce vil être cruel et méchant qui ne me dit pas quand il part. Ah, oh, et cette caméra, évidemment, que j'ai encore déphasée totalement. Alors... Parce qu'avec les fils, malheureusement, je touche la caméra. Voilà, elle est bien, là. Dès que je touche un fil, la caméra prend un coup. Si je n'ai pas de réponse, je vais choisir tout seul, évidemment. Le frappeur fantôme. Eh, ok. Monseigneur, êtes-vous prêt à partir dans le jardin des liches? Eh oui. Ah, je suis encore plus classe, maintenant. Regardez comment il se la pète, il est assis et tout, là. Oh la vache! Ça va être très déstabilisant dans les combats, ça, hein. Hop, aucun souci, mec. Meurs, cruelle bestiole.
Mais non, toi, je m'en fous. Oh là là! En fait, ils sont trop bien, eux. Ils m'aident à monter, d'accord. Ok, nickel. Aucun souci. Oh là là! Non, casse-toi. Pas une fois. Non! Ah, oh, c'est pas le bon sort! Qu'est-ce que tu me dis? On craint plus rien, on a la classe. Mais oui, c'est ça. Tout à fait. De l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. D'accord. Oh, une carotte pourrie. Parfait. Ah, et la musique là, elle est vachement bien. Là, par contre, la musique, c'est plus mon genre, plus mon style à moi. Ça va être terrible. Ah, coucou monsieur. Attendez, voilà. Nickel. J'ai juste besoin de vous pour passer. Ah. Alors ça, pour info, c'est la demeure après où, dans laquelle tu vas chercher Spectre Knight. Hein. Enfin, pas tout à fait comme ça, mais à peu près. Oh, il y a un crâne là-haut. Ils me prennent pour qui? Bien sûr que oui, je l'ai vu. Là, c'est un endroit caché. Aïe, je l'ai pris, bon d'accord. Oh! Ça, je l'avais pas vu, on est d'accord. Ah d'accord, il me parle lui. Je suis Spectre Knight. Oh, oups, vous êtes Spectre Knight. Vous avez peur, j'ai surgi d'un coup et tout ça. Puis comme vous aviez dit, hein. En effet, j'ai bien surveillé votre repère, il n'y a que Spectre Knight qui a le droit d'entrer ici, personne d'autre. Absolument personne. Ah, je vais dans mon repère. Je suis d'accord, la musique est bien sympa. Ah. Bonne nuit, Foz. À demain. Ah, ma chambre. Ok, ici, il n'y a rien. Un coffre. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là? Il doit y avoir quelque chose d'autre dans la chambre. C'est chez moi. Et ouais, c'est ma chambre. Il y a un lit, d'accord, il n'y a rien. En fait, c'est juste un endroit où... Voilà, donc si vous vous demandiez à quoi ressemblait sa chambre, elle est là. Elle ne sert strictement à rien, mais elle est là. Alors, il y avait un crâne derrière que j'ai pas vu, je sais pas. Eh bien, remontons. Je vous promets d'ouvrir l'œil, les deux mêmes. Nyahahaha. Ok. Eh bien, on a trouvé la chambre de Spectre Knight. Elle meurt bien, toi. Un peu de lumière. Ah, parfait. Un peu de lumière. Là-bas, il y a quoi? Ah ouais, donc il y avait juste mon crâne. Ok, aucun souci. Ah, ah, des nouveaux ennemis. Tiens, je les connaissais pas, ceux-là. Oh, ils ont l'air plein de vie. Bon, de toute façon, ça sert à rien quand je vais recopier, ils seront à nouveau là. Un crâne. C'est mon crâne, là-bas. Des fantômes qui pop. C'est pas grave, on s'en fout. Meurs bien, toi. Ah, t'as clairement un effet de style quand tu tapes, du coup. D'accord. Allez, nickel. Hop, là, meurs bien. Oh, il m'a foutu un coup de tombe. Ok. Ah oui, d'accord. Là, ça casse, là. Voilà, tout à fait. Alors, toi, paf, puis... Non. Non, non, d'accord. Dépêche-toi.
paf, voilà, et là tu fais ça. Et là tu passes par là, tout à fait. Oh là là. Et on se casse, allez on s'en fout de la pièce là-bas. C'est un peu dangereux par là, on va pas se mentir. Je me sentais pas trop à mon aise. Meurs toi. Toi tu meurs aussi. Alors lui donc ça veut dire qu'il y a une plateforme là. Tout à fait. C'est ce que je pensais. Non. Alors la prochaine elle est là-bas. Ok. Non, je devais l'avoir par en dessous. Voilà, nickel, on est le meilleur. Aucun souci. Ah ok, par contre c'est visible la nuit ça, ah, c'est marrant. Hein ? C'était un faux ? Hein ? C'était une fausse ? Ah, je me suis fait arnaque ! Allez, casse-toi. J'ai tellement fait arnaque là. On défonce les. Pas de soucis. Ici, t'es déjà allé là-bas. T'allais te récupérer ce qu'il fallait. Oh là là, je me suis tellement fait arnaque. Allez hop, mourrez bien. Hop là, pas de soucis, on y va. Donc ça c'est une vraie. Ah non d'accord, ça te tue direct. Oh j'ai rien compris au truc. Tout à l'heure je suis marché dessus j'ai l'impression. Ok bon je suis le pire joueur au monde, c'est tout. Ah merde il m'a eu. Vous m'avez touché, c'est le moment où vous allez mourir. Voilà, il apprendra à me taper. Même pas le temps de spawner, le pauvre. Aucun souci. Hop. Oh, ils ont retiré l'orage. Il y avait de l'orage ici, non? Ils ont eu pitié de moi, ils l'ont retiré. Je suis mort trop de fois. En mode t'es nul, tu mérites plus l'orage quoi. Ah non c'est ici qu'est l'orage, ok. Oh mais quel enfer, mais qu'est-ce que je suis mauvais. Oh, ça devrait pas être autorisé d'être mauvais comme ça. Oh puis je perds tout mon fric là-dedans quoi, comme un crétin. Oh tu me saoules toi hein. Allez hop. C'est pas grave. Tout se passe bien sinon. Hop voilà. Aucun souci, on gagne sa vie, c'est pas grave. On a ça qui est là pour ça de toute façon. Hop. Et hop, on se casse par là. Tout à fait. Non, mais qu'est-ce que tu fais comme... Ah, je pensais pas que je pouvais faire ça là-dessus. Non, je veux pas aller sur Google, mais qu'est-ce que tu me fais? Mais non, absolument pas. Mais non, mais... Bravo. Ah, bravo.
Je suis là, hein. C'est juste que je verrai. Mon téléphone qui a voulu aller sur Google d'un coup pour une raison ou pour une autre. Évidemment. Parce que s'il y avait des raisons. Ah, coucou Fenrir, comment tu vas? Bien? Moi, de mon côté, évidemment, ça va toujours très bien, moi, de mon côté. Alors, on remet le téléphone là, du coup, c'est bon maintenant. Il va recharger un peu, hein. Bon, là, je me rends boucle parce que je suis pas bon, mais à part ça, nickel, hein, la forme. Hop. Parce que je suis trop greedy en fait, je vais tellement récupérer mon argent que j'en perds plus depuis tout à l'heure. Ah, mais meurs bien, toi. Hop. Paf. J'étais un peu fou là-dessus, on va pas se mentir. Et hop, tu grimpes. Toi, tu tombes dans la flotte. Je crois que c'est de la flotte. Tu fais pas le con là-dessus. Pas à nouveau en tout cas, hein. Voilà. Tu sautes là-dessus. Tu, voilà, pas de soucis. Y'a des murs qui se cassent dans le coin? Non, pas de mur qui se casse. Bon, d'accord, très bien. Ok, nickel. Alors ça, c'est une fausse plateforme qu'il y a là. Ok. Aucun mur qui casse, on vérifie. Hein. Dormir, c'est tricher. Tu dois se lever demain 18 à 8h. Ouais, t'as pas de concours demain ni rien, ça va, tu peux... T'es tranquille. Alors ici, il y en a une. En bas, il y en a une aussi. J'aime pas trop quand le jeu se fout de moi comme ça. Hein. Ah d'accord. Ah merde, j'aurais pas dû faire ça. Ah merde. Non. Je veux mourir. Non. Laissez-moi mourir. Ah. Non, mais monte pas. Voilà. Ah. Ok. Le jeu se fout de toi. Va chercher tes sous, voilà. Ah, un ennemi. Ok. Ce jeu me donne tellement envie. Mais il est trop bien ce jeu, Fenrir. T'as jamais joué à Shovel Knight? Pour de vrai? Parce que même le Shovel Knight tout court, hein, c'est trop bien en vrai. Hein. Là, c'est l'extension Spectre of Torment où tu joues Spectre Knight. Mais le jeu est vraiment bien. Hein. Oh, des flammes. D'accord. Ah d'accord, tu peux les éteindre, ok. Pas pour à jamais pour la vie, tu vois, mais tu peux les éteindre. Ah, c'est con. C'est dommage parce qu'en plus, avant, il coûtait 15€ avec toutes les extensions. C'est-à-dire que t'avais... mince. L'autre qui envoie ses bombes de partout, là, qui est totalement fou. Et Shovel Knight, et celui-là pour 15€. Mais vu que le temps qu'ils ont mis à développer celui-là, ils ont sorti une autre édition, pour avoir les trois, tu dois payer 25€ maintenant. Donc tu l'as... Du coup, vu que t'as attendu, tu l'auras pour plus cher, quoi. C'est un peu dommage. Alors ça, c'est pour avoir plus de mana. Mais je t'avoue que là, vraiment, l'extension, elle est super cool. Hein. Super, super cool pour le moment. Vu que moi, j'avais eu le jeu à sa sortie. Vraiment, le jour de sa sortie, je m'étais jeté dessus, quoi, en mode... C'est un jeu qu'il me faut. Une bombe. Non, même pas, de la bouffe. Ouais, bah il sera souvent, il sera en solde, hein, t'en fais pas pour ça. Hein. Mais là, ouais, maintenant c'est 25€, hein, et plus 15. Hein. Mais en même temps, maintenant t'as 3 campagnes, hein, donc forcément, t'as du contenu. Hein. Ah, bah il me saute dessus, lui. Hop, récupère ça, fouille le coffre. Les crânes, je les échange contre le marchand, en fait, avec de la magie, au hub central. Après, 25€, c'est pas non plus la mer à boire, tu vois, c'est... quand tu compares avec des gros jeux, genre Smash et tout, 25€, ça va, hein. Je te saoule, regagne ta vie. Là, il y a un passage, il y a un crâne, c'est-à-dire qu'il y a un passage, voilà, tout à fait. On va avoir un crâne rouge. Alors ça, c'est comme dans Shovel Knight, premier du nom. C'est-à-dire que y a une arnaque, en fait.
d'un côté ou de l'autre, ce sera des trous. Ici, ce sera pas des vrais sols. Ah si, c'est pas comme dans le vrai. Enfin, pas comme dans l'original. Ou alors c'est au milieu que ça va être un trou, j'imagine. Tout à fait, ça va être là. Non, là il y a encore un méchant, d'accord. Et là. Ah oui, d'accord. Ah oui, si, c'est là, c'est ça. Là, il y a un trou. On récupère l'argent. Ça va me servir à monter, monsieur. Alors, on s'en fout de toi. Genre, on en a rien à cirer. Je récupère le checkpoint, quand même. Oui, non, mais... Fais de rire, tu as payé combien, Smash? Et ta Wii U? Non mais reviens! Oh là là, cet enfer. Alors, pas de soucis. On te voit. On te voit. Toi, j'en ai rien à cirer. Voilà, tout à fait. Voilà. Hop, hop, hop. Et là, il y avait rien à casser. On va attendre l'orage. Non, je crois qu'il y avait rien à casser. Et là, il y a le boss, et ça se casse. Voilà, pour de la vie et de la magie, tout à fait. C'est tombé du camion, Smash, évidemment. Et la Wii U, pareil, est tombée du camion. Ah, ok. Une attaque par surprise, voilà qui n'est pas digne de l'honorable guerrier que je m'attendais à rencontrer. Ah, un revenant qui vient parler d'honneur alors qu'il n'a renié le sien. Tout ça pour servir de coursier. Oh, comment il t'a clashé! Oh, popopo! Salut Malbo! Comment tu vas? Je ne suis là que pour t'inviter à suivre vos épreuves sous la houlette dans l'enchanteresse, sa puissance est sans égale. Et elle s'imagine parvenir à m'intimider avec cette piteuse carcasse, ton pouvoir est factice, alors que le mien provient du plus profond de mon être. Petite démonstration. Ok, lui il va m'emmerder. Sans. Tout à fait, monsieur. Ok. On se heal, on n'a pas de race. Il a mis bien le terrain, lui, quand même. Hein. Allez, pas de soucis. On te bourre la face. Et t'as plus de vie, voilà. Comment ça va en cette belle nuit électorale? Oh bah moi ça va, de toute façon je parle pas des... Ici on est... De toute façon ici je parle pas politique parce que bon c'est pas vraiment l'endroit tu vois. Mais ça va. De toute façon bon... Voilà quoi. Pour ce qui est des élections... On peut pas dire que c'est vraiment une surprise. La Switch aussi est tombée du camion, bah oui évidemment. Évidemment, la Switch, la Wii U, toutes tes consoles, elles tombent du camion toi. Et après il dit oh je peux survivre 3 jours de plus avec 25 euros. L'hypocrisie d'un homme, l'hypocrisie d'un homme. Ta maman doit avoir honte de toi, Fenrir, honte. Tu me vaux au combat, mais toi et ta cohorte n'êtes pas dignes de régner sur ces terres. Tes jours sont comptés, infâme, je resterai libre et je verrai les tiens vaincus jusqu'au dernier. Ok, il veut pas de moi lui. En même temps, il est pas dans l'ordre, donc forcément, il veut pas de toi. Voilà. Wouah, j'ai encore de plus de crânes qu'avant. Alors, qu'est-ce que tu vends comme magie? Mon cœur se change en glace, j'occasionne de nouveau curieux, mais avez-vous trouvé des crânes rouges? Mais oui! Un manque à sniper squelette. D'accord. À vos comptes des sniper squelettes. C'est ça le problème, on aurait aimé être surpris, mais bref, passons. Ah, bah ça, que veux-tu? Ah, ce que j'aurais bien gardé, même si je peux vous mentir, vous mener à lui, vous devrez lutter pour ressortir.
Cette zone est maudite également, avancez prudemment. En gros, quand il me dit que la zone est maudite, je peux pas utiliser ma faux. Ça me bloque. Voilà, ça fait cette animation là bleue un peu. Tout à fait, alors on va lui mettre. On va lui envoyer un sniper squelette. Ah, ok, dans ce sens là alors. Tout à fait. Sniper squelette, sniper squelette. Très bien. Est-ce que ça rebondit contre les murs? Pas du tout. Et là, je le fais exploser en fait, c'est ça. Tout à fait. Trempé de côté, c'est pas grave. Hop. Tout à fait. En fait, il regarde, il tape du côté où je fixe. Très bien. Jusque dernier centime. Hop, pas de soucis. Excellent, filons d'ici. Ce curieux élan détruit une babiole utilisant la sagesse. Ah. Alors, évidemment, bon, on m'a laissé le choix de prendre des armures. Et j'ai pris la plus chère, c'est-à-dire celle qui me donne l'air plus classe et plus terrifiant qu'avant. Parce que de base, j'ai pas l'effet à la Castlevania. De base, je suis comme ça. Et j'ai pas d'effet à la Castlevania avec une sorte d'onde derrière moi là. Donc, bon, forcément, ça coûtait 8000. Mais il me le fallait. Il me le fallait, regardez. Là, je suis classe. Quand je fous des coups et tout, là, non, je suis classe. C'est obligatoire que je prenne ça. Les autres, c'est pas intéressant. Alors, ensuite, toi. Oh, payez, puissant, vous serez. Alors, fossile de langer, faux araignée, cerf sinistre, sentinelle squelette. Tire plus de projectiles et a plus de santé. Ah! Alors, que vais-je arranger? Ça m'intéresse bien, ça, j'aime bien. Hop, nickel. Voilà. Et ensuite, traverse l'obstacle et récupère l'or. Pourquoi pas? Augmente la taille et de taille et récupère l'or. Pourquoi pas aussi? Mais c'est ça. C'est beaucoup plus classe avec l'effet Castlevania. Oui, ça coûtait 8000. Ça ne sert à rien, mais il me fallait. C'était obligatoire que je ne prenais que celle-là en premier. En plus, j'ai demandé à un viewer qui ne parle plus trop, mais qui est là. Et il m'a répondu, mais clairement, go, 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 fonce. Résiste aux interruptions et augmente la portée. Ah, ça, c'est super intéressant aussi. Voilà, voir ce que ça fait. Alors, ça me permet d'avoir plus de portée quand je fais ça. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment plus de portée. Yip, yip, mrao, bye. D'accord. Intéressant. Regagnons sa magie avant d'y aller quand même. Hop. Ensuite, alors, quel endroit vais-je faire? Alors ici, il y a la tour de l'horloge avec Tinker Knight. Pour Shovel Knight, c'était clairement en Mega Man style, hein, la tour de l'horloge, hein, y a pas à mentir. Le donjon de Firlante de King Knight. La cité perdue de Mole Knight. La baleine de fer de Treasure Knight. Et la machine volante de Proper Knight. Ce sera sûrement le dernier niveau que je vais faire ce soir, alors, comme il dirait, choose wisely. Comme ça, après, tu vas pouvoir aller te coucher, Fenrir. Treasure Knight, Mole Knight, King Knight, Tinker Knight ou Propeller Knight. Ça, c'est beaucoup plus de plateformes. Enfin, avec Shovel Knight, c'était plus de plateformes parce que les niveaux sont tellement différents entre Shovel Knight et lui. Mais avec Shovel Knight, c'était quasiment que de la plateforme. Et beaucoup de vide, c'est-à-dire que c'était très punitif. Dormir, c'est tricher, mais tout à fait. Mais moi, j'ai pas dit que j'allais dormir, j'ai dit que j'allais arrêter le stream après ce niveau, je pense. Alors, quel niveau? Oh, il m'en manque un! J'en ai loupé un! Non! Non, mais je ne le ferai pas devant vous, hein. Je le ferai tout seul de mon côté. En pleurant toutes les larmes de mon corps parce qu'il m'en manque un.
Alors que j'ai perfect les trois premiers. La machine volante, la baleine de fer, la cité perdue. Le donjon de Fierland ou la tour de l'horloge. D'ailleurs, es-tu toujours là, squelette arrogant? Je fais le No-Sleep Challenge tant qu'on n'aura pas un gouvernement qui soit compétent. Pardon. J'ai ri. J'ai ri à ta blague. Bon, choisissez un niveau, bordel. C'est pas si compliqué. Il n'y en a que 5. Enfin, il en reste plus que 5. J'en ai déjà fait 4. Sachant qu'il y a évidemment les 2 niveaux de fin après. T'es pas prêt de dormir, mon pauvre. Bah oui, c'est ça. En plus, vous voyez la forme des boss en fond sur le miroir. Là, franchement, on a fait tous les boss un peu classe. Hein. Les autres qui restent, c'est les boss pas terribles. Clock Tower, ah. Alors, tu veux du Mega Man Style. C'est parti. Êtes-vous prêt à partir pour la tour de l'horloge? Eh oui. Ah! Plus un geste, Raze à la rescousse. Raze? Le seul et l'unique, mon oncle m'a dit qu'il se passe des trucs pas très nets là-dedans et quand le mal rôde, Raze se radine. Ridicule, tu n'as rien à faire ici, dégarpie avant qu'il ne t'arrive du mal. Alors lui, c'est le fils du mec que tu voulais aider de base, je pense. Qui ose s'introduire dans ma tour? J'en suis à 2.2 ans. Bien le bonjour, charmante demoiselle, je suis le grand Raze. Seriez-vous là pour m'aider à vaincre ces malandrins? Oh, tu as décidé de prendre un apprenti Spectre Knight? C'est un moins que rien, juste un gamin trop naïf que vous ne vous souciez pas de lui, je me chargeais moi-même de l'escorter jusqu'à la sortie. Un moins que rien, dis-tu? Non, les choses ne peuvent en rester là. Nous allons faire quelque chose de lui. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Les ténèbres, j'ai mal, arrêtez! Ah! Si puissant! Alors ça, c'est une sensation à laquelle je pourrais très bien m'habituer. En garde, ma Gréchon, j'ai une folle envie d'essayer mes nouveaux pouvoirs. Ok, bah j'ai un boss comme ça avant. Ah, moi je te pourchasse jusqu'au bout du monde, mec, hein. Aucun souci, on bourrine, hein. Oh, je l'ai pris celui-là. Est-ce que je mettrais pas un sniper dans le coin par hasard? On va mettre un petit sniper. Allez, hop. Et clairement, il va faire le taf. Mais clairement, il fait tellement le taf le sniper. Il fait tellement le taf. Voilà un gamin qui atteint la puberté, il devient émo-gothique et se rebelle contre l'autorité triste. Ouais, mais alors dans Shovel Knight, tu le vois, lui, justement, il est pas comme ça, il est en mode gamin, comme tu le croises après. Auquel délice, je suis impressionné, Raze. Il se pourrait bien que je te trouve une place au sein de mon ordre. Voyons, cet acolyte anxieux n'est clairement pas digne de garder ce miroir. Prends donc sa place. À vos ordres, ma maîtresse, puis-je l'anéantir? Ne sois pas si impatient, mon enfant. Laisse-lui un peu de temps pour se lamenter sur son sort dans le donjon. Quant à toi, cesse de me faire perdre mon temps, remets-toi au travail et ne me déçois plus. Alors, petit pantin, où donc vais-je t'envoyer ensuite? Allez, on avait donc tiré la tour de l'horloge. Ah merde, je vais récupérer ma magie avant. De toute façon, c'est un peu l'extension d'Arkiku, lui, hein. Clairement, hein. Mais, alors, c'est super cool à jouer, hein. Allez, hop, la tour de l'horloge. Tu es sûr de vouloir partir pour la tour de l'horloge minable? Oui. Minable, c'est un peu Pokémon, ça, tu sais. Minable! Et regardez sa pose, là, assis, en mode, ouais, je suis un beau gosse. Je suis, ma faux est rutilante et tout va bien. Non! Non! C'est mes sous! Voilà. Tout pour les sous, hein. Alors ça, c'est un passage. Voilà, tout à fait. Hop, on prend les sous. Pa-pa-pa-pa. Alors la souris, elle m'emmerde, voilà. C'était... En bas, ça risquait rien, de toute façon, je retombais sur le truc de base.
Ah, ok, d'accord. Viens par là. Non, un peu raté. Dommage. Hop là. On se fait des sous. Non. Nickel. Ok, alors ça, ça fonctionne comme ça. Mais tout à fait, monsieur. Oh là là, oh là là, va sur celui-là. Deux secondes. Tout à fait. Hop. Oh, mais quel enfer. Et je fonce dans le vide. Et tu tapes, tapes, tapes. C'est pas grave. Je suis toujours le meilleur. Une erreur de parcours. Tout ce qui est de plus classique. Casse-toi la souris électrique là, qui n'est pas un Pikachu. Ah bah tu t'es pas accroché, tiens, pardon. Alors, hop. Tu récupères tes sous. Tout à fait. Nickel. Voilà, mais oui je suis trop bon. Évidemment que je suis trop bon. Y'a quelque chose là, non? Non, y'a rien. Ah! Oh là là, je suis le pire. Ah, mais clairement, non au gris. Regarde ma couleur, moi. Est-ce que je suis gris? Oh là là, je commence à être fatigué, je crois bien. Faut que j'arrête. Bon, pas pour aller dormir, hein. Mais pour aller jouer à un jeu genre Rivals avec Dodonino s'il est dans le coin, ce sera tellement parfait. Je suis mauvais. C'est pas grave. Le pire c'est que je pourrais me rattraper à chaque fois, hein. Juste plus réactif du tout quoi. C'est bien, j'arrive pas à atteindre le premier checkpoint. Encourageant pour la suite du niveau. Hein. Bah, je crois pas pourquoi il s'accroche pas des fois. Je me concentre. J'ai perdu assez de sous comme ça. C'est bon hein. L'argent c'est la vie. Allez hop. On speedrun maintenant, c'est bon. Voilà, tout à fait, speedrun de jeu. Aucun souci. Mais meurs bien, toi, oui. Ah, parfait, il faut que je récupère le crâne qu'il y a là-haut. Non, dommage. Meurs bien, toi. Nickel. Hop. Ah, le premier checkpoint. Finalement, je l'ai vu, hein. Ça a l'air de se casser, ça, non? Non, ça c'est pas ça. Ok. Bah mais si il sera rentable, voyons. Faut pas dire des choses comme ça. Ah merde, c'est mon snipe. Je pensais que c'était de la vie. Bon, c'est pas grave, il est bien aussi le snipe.
Oh, il se fait défoncer alors qu'il est tellement chiant à battre avec Shovel Knight. Allez, hop. Pêche-toi, mec. Ok, on est les meilleurs. Ça ne nous fait pas peur. Parce que j'ai le pouvoir de l'amitié. Allez, hop. On n'a aucun souci tant qu'on a le pouvoir de l'amitié, hein, c'est connu. Hop là, aucun souci. Des nouveaux ennemis, je les connais pas. Bon, ils ont pas l'air spécialement redoutables, tu me diras, à part c'était de haut en bas. Ah, sur les côtés, d'accord, sur les côtés c'est déjà plus chiant, effectivement. Ah, un coffre. C'est pas terrible, ça rapporte pas assez. Mais c'est parce que tu sais pas t'y prendre. Bien sûr que si, ça rapporte. Faut juste savoir en profiter, voyons. Un petit effort. Alors ça, c'est des plateformes qui me font tomber, comme tu peux le voir. Voilà, meurs bien, toi. Moi, je vais monter là-haut. Parce que, bon, il y en a qui montent en bas, c'est connu. Ah, c'est parfait, c'est là où je dois aller, en plus. Hop, regagne ta vie. Aucun souci, mec. Alors là, j'ai besoin de lui, par contre. Tout à fait, non. Ah non, j'ai pas besoin de lui, en fait. Bon, bah, pas besoin de lui. Nickel. Hop, encore un peu plus de magie. Parce que bon, pourquoi pas après tout, hein. Alors là, tu vas là-bas. Hop, tu regagnes ta vie. Nickel. Ah ok. Ah ok, tu veux la jouer comme ça, mec. Hein. Ah ok, tu veux la jouer comme ça. Et ben, je vais prendre le checkpoint pour la peine. Voilà. Ok. Et ça, malheureusement, je peux rien faire dessus, hein. Ah, par contre, là, c'est... Voilà, tout à fait, il y a des sous. Vite! Vite! Il y a de l'argent. Récupère le crâne. Chose prioritaire. Et merde, ça va que le jeu est pas trop méchant, ici, hein. Tu me diras, j'aurais pu tomber dans le trou, vraiment, hein, mais... Ah, scrolling forcé. Parce qu'il en faut toujours un peu. Toi, je m'en fous. Toi, je m'en fous. Alors toi, on va attendre, hein. Parce qu'on n'est pas rassuré quand même. Ah non, on va rattendre un tour. Je me suis fait peur, hein, je vais pas mentir. Meurs bien, toi. Oh là là. Non, je voulais pas faire ça du tout. Non, je vais juste taper, mais c'est vrai que bon. Castlevania Megaman ou Megaman Castlevania? Alors, comment dire? Ça dépend des Castlevania et des Megaman. Ah, je vais pas te mentir, c'est vraiment comme ça. Les vieux Castlevania et les vieux Megaman, j'aime pas ça, moi. Les très vieux, je te parle. Je trouve que la maniabilité a trop vieilli. Ils sont jolis encore, hein, c'est pas le souci. Je trouve vraiment que c'est la maniabilité qui a pris un gros coup et... soit Castlevania ou Megaman, c'est la même. C'est pas que je m'amuse pas dessus, hein, c'est juste qu'il y a tellement de trucs mieux maintenant que... je vois pas pourquoi j'y jouerais, en fait. J'ai juste zéro raison d'y jouer maintenant. Mais par contre, les vieux, je trouve que les deux côtés, c'est très cool. Je vais dire les plus récents. Peut-être un... Enfin, les vieux. Les moyens vieux, en fait. C'est pas vraiment les vieux. Putain, je refais la même erreur comme un débile. Pas les vieux, les moyennement vieux, en fait. Parce que les plus vieux, c'est pas forcément les meilleurs, surtout du côté Castlevania. Mais genre, Symphony of the Night, voilà quoi. C'est assez génial, je trouve.
pas te mentir. Casse-toi, mais crève bien, toi, tu m'embêtes. Même pas peur. Cette fois-ci, toi. On te saute pas dessus bêtement, hein. On reste au sol quand on va te chercher. Plutôt que mourir bêtement parce que je saute comme un débile. Alors je sais très bien que ça fait une dash. Clairement, il y a quelque chose ici. Tout à fait, de la magie. Plus loin encore. Ah oui, non, ça c'est... D'accord, récupère l'argent. L'argent, c'est important. Meurs bien. Le crâne, puisque le crâne, c'est important. Mais pourquoi j'y vais avant que le scrolling y soit? Non mais fou. Je suis sûr que j'étais à la fin du truc en plus du passage. Non mais fou. Oh là là, ce que je suis nul des fois. Trop impatient le mec et ça m'a conduit à ma mort. Donc voilà, pas tellement d'avis. Sachant que j'ai pas fait tous les jeux des deux séries du tout. Mais oui, clairement, c'est stupide de mourir comme ça, on est d'accord. Hein. Allez, hop. Attendons tranquillement. Ici, il y a de la magie, donc c'est parfait. Récupère ta magie, mec. Putain, je pourrais peut-être pas la récupérer, celle-ci. Voilà, évidemment que si on récupère. Les sous qu'il y a ici. Ah là, bah oui, non mais... Pff. Ok. Là, c'est le truc qui va s'écrouler. Ok, du coup, là, c'est les deux qui tombent. Aucun souci. J'aime bien encore les anciens castellaniers, par contre je les trouve. Oui non mais ce que je te dis pas que je les aime pas, juste que je trouve qu'il y a vraiment mieux maintenant en fait. En passage Shovel Knight n'a pas de wall jump ni rien. Là c'est vraiment pas le gameplay de Shovel Knight, hein. Faut pas que tu dises que Shovel Knight ça joue comme ça. Hein. C'est tellement pas le cas. Allez, hop. Débilos. Débilos. Débilos man. Le plus grand héros. Oh les petites scies, oh les petites scies. Oh j'ai perdu plein de sous. J'ai perdu tellement d'argent. Pire mort au monde. Quelque chose là, tout à fait, de la vie, enfin, génial, c'est inutile au possible. Shovel Knight par exemple, il a un saut à la DuckTales sur les pics et tout, enfin pas le pic mais sur plein de trucs, sur les ennemis et tout. C'est vraiment pas la même façon de jouer hein. Ok. Il me faut le sniper, tout à fait. Paf. Ah non, ça fonctionne pas.
Ah ok, c'est pour passer par là, j'imagine. Pas du tout. Je sais pas comment je suis censé passer. Non, mais je me trompe de truc. Ah. Oh là, le pire mec au monde, quoi. C'est pas les mêmes, vraiment. Hein. Mais le truc, c'est que les niveaux sont pas les mêmes non plus, tu vois. Je trouve que les boss sont plus intéressants, par exemple, avec Shovel Knight, parce qu'avec Spectre Knight, t'as juste à bourrer. Et les niveaux, c'est tellement différent que je peux pas trop te dire. Hein. Ah d'accord. Non, faut que vous ayez là-bas. Ah non, c'est moi qui faut que j'aille là-bas. Tout à fait. Voilà, nickel. Hop. Et on se casse par là. Dac. Il n'est pas plus dynamique en fait, hein. Il est même plus lourdeau à gérer. C'est vraiment que c'est tellement différent que... J'ai sauté. J'ai sauté. Bon, faut croire que non, mais pour moi j'avais sauté. Je vous jure, j'ai appuyé les messieurs. Je vous jure. Je vais être à rien du checkpoint en plus là. Et après t'as l'autre encore, t'as pas que ces deux là hein. T'as aussi oh merde, je parle et du coup je fais nymphe et je me prends tous les coups du monde. T'as aussi comment il s'appelle? Plague Knight. Non mais il est temps que j'arrête de jouer là à ce niveau là hein. Je tape comme un bourrin et du coup je me tue tout seul. Non, je crois qu'il est temps que j'aille me coucher. Hein. Quand je meurs contre un random comme ça, un peu chiant, c'est que vraiment, c'est la fin de la vie, quoi, pour moi. Le mec, il est en mode boss final pour moi, tu vois. Alors que c'est tellement juste un random, tu sais. Non, pas encore cette connerie là. Sois pas débile. Mais clairement, combat entre le bien et le mal là. Enfin, entre le mal et le mal, parce que ton personnage est dans le camp des méchants, mais à part ça. Aucun souci, mec, moi je vois le jump là-dessus. D'ailleurs, on va soigner. Les deux héros s'affrontant pour défendre leurs convictions dans un duel à mort épique. Ouais. Ou alors les deux débiles. Hop, et on repasse par là parce que on est des fous. On est un peu des fifous nous. Voilà, c'est juste pour ça que je faisais ça. Non, je suis pas, j'étais pas chaud. Je le sentais pas chaud. Dépêche-toi. Non ! Tout à fait. Ah, le truc pas du tout chiant là. Ah ok, il faut que j'emmène la faux jusqu'à moi. Allez, viens par là. Oh merde, Crudy. Voilà, tout à fait. Mais évidemment que c'était worse, mais c'est pour le crâne en fait que je faisais ça surtout. Hein. Évidemment.
Évidemment pour le crâne, hein. Pour quelle autre raison j'aurais fait ça? Non mais faut que j'arrête de faire le débile. Nickel. En haut ou en bas? Ah, en bas. En haut il y a le checkpoint. Est-ce que je prendrais pas le checkpoint avant d'y retourner? Si. Ah, il saute lui. Il est comme ça lui, il saute. Bah attends. Bonhomme, on va te ramener mon sniper d'élite. Paf! Le sniper. Vas-y, le sniper, à l'attaque! Est-ce que je peux y retourner en bas maintenant? Bon, ça me paraît tendu d'y retourner en bas. Hein. Ouais, bah c'est bien que je me sois pris ton coup, mec. Hein. Oh là là! Merci le jeu d'être généreux. Ah oui, non, mais c'est en fait que je passais par là ou par le haut. D'accord! En fait, ça servait à rien. C'est bien. Très très bien. Meurs! Non, je vais pas mettre le sniper cette fois. Ça va que j'ai tous les trucs de magie que je peux avoir, je crois. Évidemment, les vitesses variables pour le plaisir. Ah, scrolling vertical, horizontal, non mais fou. Ouh là là, la fatigue. On met ça sur le dos de la fatigue et pas sur une méconnaissance évidente des scrolling, hein. Passe par en dessous, ok. Mais j'avais juste à appuyer sur A. Et je le fais même pas quoi, non mais fou. Même ça je sais plus faire quoi, appuyer sur A. J'avais une seule chose à faire quoi. Tellement inexcusable à ce niveau là. Et je te jure ces ennemis là ils sont tellement chiants avec Shovel Knight. Alors qu'avec lui ça te paraît limite gratuit quoi. Ouais, alors toi on n'a aucun souci. Voilà, évidemment. Évidemment, on va pour te récupérer, on se prend un missile qu'on sait pas trop d'où il vient. Et on meurt. D'accord. D'accord les missiles. Les missiles, un point. Ah, c'était gratos ça. Moi, zéro. Allez hop, on saute, on saute, on saute, on saute, on saute. Non mes sous. Adieu argent. Adieu. Pas grave. On va se refaire une fortune. Si on fait pas ça. Nickel, 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 nickel. On est vivant. On est vivant. C'est tout ce qu'on voit. On est pas en retard. Hein. Le retard, c'est dans la tête de celui qui y est. Donc pas dans la mienne. Nickel. Ça va redescendre, tout à fait. Très bien. Voilà, facile. Pourquoi je ferais ça? Il y a un passage caché en dessous. Je comprends pas trop l'intérêt de cette chose. On va aller prendre le checkpoint avant d'aller regagner sa vie. Parce que bon, une erreur est si vite arrivée. Et le boss. Qu'es-tu donc, une espèce de fantôme? Sors de mon atelier, j'ai du travail, moi. L'enchanteresse souhaiterait te dire un mot. Nous devons lever une armée et les ingénieurs talentueux ne courent pas les rues. Ah, tu es peut-être un outil, mais moi pas. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Alors lui, c'est une blague. Après, en fait, il se ramène dans son gros robot. Hein. Oh là là, c'est tellement moins une blague qu'avant. Oh là là.
Voilà, hop. Il se ramène pas dans son robot, je crois, du coup, cette fois-ci. Ah, si. Ah, mais t'es en scrolling forcé dans le robot, du coup. J'avais pas vu que j'avais des trous partout en dessous, non mais fou. Oh là là, quel mauvais. Ah d'accord, par contre ça me remet direct ici. Ça se plane ma gueule. Ok, nickel. Attends, on va te défoncer, mec. Oh là là, oh là là, je suis à la bourre. Je suis à la bourre, je suis en train de prendre cher, je suis à la bourre, mec. Non mais saute, non mais non, mais t'y étais, non mais, oh mais quel débile. Ah, ah. Un monstre plante, non. Oh là, mais quel nul. Mais quel nul. Mon argent. Pas de la crotte comme ça. Y'a rien de compliqué pourtant ce boss, je suis sûr qu'il est gratos quoi, mais je suis tellement nul. Quel enfer. Ah par contre tu perds. D'accord, tu perds tout ton temps quand tu fais ça, ok pas de soucis. Ok là je suis trop bas, évidemment. Quel enfer. Quel enfer ce boss. Ah, c'est pas le petit ingénieur. Et je suis pas vraiment un Gretinep, j'étais qu'un humain de base. Hein. J'ai juste un peu bouffé de magie noire. Hein. Puis c'est surtout le gros robot, tu vois. L'ingénieur en lui-même, ça va. Tu vas voir, toi, petit ingénieur de mes deux là. Oh putain, je suis tombé, je me suis fait avoir comme un imp. Non. Tiens, paf, 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 paf. Attends, attends mec. Oh là là. Oh, il envoie des missiles. Tout à fait, très bien. Paf, paf. Aucun souci. D'accord. Regagne ta vie. T'es sur le. Ça va, c'est sur ton épaule. La droite est sur ton épaule. Paf, paf. Putain, il est reparti là-bas. Allez, hop. Oh là là, il casse tout. Oh, il triche. Non, d'accord. Envoie les missiles, mec. Je suis prêt à monter dessus. Voilà, tout à fait. Oh, alors la technique était la bonne. L'exécution était un peu molle. Ne soyons pas menteurs. Là, il n'y a ni la technique, ni l'exécution, rien du tout. Ok. Là, il y avait un début d'idée. Oh là là. Oh là là, je me fais chier. Chou, chou, je suis là. Tout à fait. Non, est-ce que ça je peux pas taper dedans par hasard? Si, mais je m'en fous en fait de taper dedans. Heureusement que le scrolling sur le côté ne te tue pas. Ah. Tout à fait. Non. Pas tout à fait, presque. Attention, technique de speedrunner, on va se faire toucher. D'accord, technique ratée, hein. Oh là là. Que de technique ratée. Allez, envoie-moi tes fusées. Tout à fait, non. Allez, envoie-moi tes fusées. Ah tout à fait, on se fait toucher volontairement évidemment pour aller dessus hein. D'accord, s'il te plaît. Ah mais... Ah nickel. Ah mais quel enfer ces petites fusées là. Qui a designé ce boss? Je vais le virer. Avec les speedrunners, on se fait toucher, on va mourir, on va recommencer. Mais non, non, je ne suis pas mort tu vois. Enfin pas là, plusieurs fois avant, oui mais là non. Là, j'ai géré comme un professionnel. Professionnel très fatigué, mais un professionnel quand même. On va faire quelques achats. Puisqu'on a quand même gagné plus d'argent qu'on en a perdu.
aussi étonnant que ça puisse paraître, hein. J'en suis le premier surpris, évidemment. Néanmoins, c'est le cas. Alors, du coup, faut aussi de lancer... Ouais, non, on va payer un truc qui coûte genre 6000, quoi, direct. Pourquoi viser simple quand on peut viser plus haut? Nous aimons votre or, nous aimons votre manteau, touché, nouveau pouvoir, oui! Alors, 6000, tout à fait. Maintenez X puis chargez pour lâcher et asséner un puissant coup de faux, d'accord. Grindez sur les surfaces comme les pics, et les pics comme sur des rails. Alors, est-ce qu'on va grinder ou est-ce qu'on va charger un coup? Ah, il est dark celui-là. On va grinder. Je vais vous montrer ce que ça fait le grind d'ailleurs, parce que vous ne connaissez pas évidemment. Pauvres incultes que vous êtes, vous n'avez pas vu ça. On va passer par là. Voilà. Voilà, je vais vous montrer le grind. Eh ouais, regardez ça les mecs. Et hop là, aucun souci. Hein. Et je pourrais faire pareil sur des pics donc. En appuyant sur bas au bon moment. Et ouais. Paf. Et déjà, je vais parler aux gens que j'ai un peu recrutés dans le coin. Je travaille avec ma technique pour un nouveau coup mortel. Accroche-toi, je l'ai appelé le baiser de la mort. Hein, mais attends un peu. Ouf. Ça n'a pas marché, je dois encore avoir besoin d'entraînement. Je viens de me faire embrasser gratos, hein. Les outils de la guerre peuvent imposer un genre de paix, mais je pense que notre règne se devrait d'être noble et juste. Seul un imbécile s'amusera à casser des choses sans les préparer après. Et lui, je l'ai recruté aussi du coup. Il veut pas me parler par contre. Code de rail, je vais pouvoir faire du super glissade. Oh tiens. Salut! Je vous ai vu foncer à travers le jardin des liches, vous devez être Spectre Knight. C'est un plaisir de vous rencontrer. C'est important de garder le moral jusqu'ici. Par ici, alors pour vous accueillir, laissez-moi partager avec vous mon plus grand trésor, la danse. Elle était déjà dans Shovel Knight, elle. Ah, sauf que lui, il est. Sauf que lui, c'est un bâtard en fait. Alors, ça fouette le sang, hein. Cela me révulse, ce n'est pas un endroit pour de telles frivolités. Disparaissez. Mais pourquoi je voulais juste... Va-t-il falloir que je vous escorte? Comment vous pouvez-vous... J'ai travaillé cette danse rien que pour vous, espèce de monstre, je me vengerai. Votre résolution est inébranlable et vous savez rester impassible face à la jubilation. Utilisez cette capacité à tout moment en maintenant... Ok. Ah, regardez. Stylé, hein. Je fais ça l'atterrissage et hop là, aucun souci les mecs, je peux grind partout maintenant. Yay. Ah putain. On va chercher la magie aussi parce que j'ai dû en débloquer quelques-uns. Mon cœur se change en glace, j'ai l'occasion de vous curieux, mais avez-vous trouvé des crânes rouges? Créer un bouclier qui bloque les projectiles pour se charger. Très bien. Ah, ce curieux bien gardé, mais je peux vous y amener. Donne des maudites également, avancez prudemment. Le mec en a rien à foutre, tu sais. Allez, crevez bien. C'est ce que je pensais, je peux l'envoyer. Nickel. Je vais avoir plein de pouvoirs aussi, du coup. Un nouveau pouvoir en ignorant quelqu'un qui danse, mais oui, non mais clairement. Moi aussi j'ai plein de pouvoirs. Hein. Ce curieux est loin d'être une babiole. En fait tu plies juste les genoux... Ah non, regarde. Rien à foutre. Yay. Ah.
Ah là, je t'ignore. Ah, ça fonctionne tout le temps en plus, hein, c'est marrant. Bref, finir. Yay! Eh, vous êtes sacrément doué, il faut le reconnaître, j'avais jamais vu ça. Je dois avouer que ça m'embouche un coin. Ah, voilà, je savais. Il est aussi cool que moi. Quand tu sautes d'un rail, appuie sur ouais pour placer tes tricks de ouf. Ouais, bah ça, regarde, tu peux faire des tricks, c'est vrai. Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Aucun souci, mec. Maintenant, je peux aussi faire sur des wesh, wesh, wesh. Le pouvoir des wesh. Yay! Et tu recommences. Paf! Le mec, il n'a plus rien à foutre de niveau à partir de ce moment-là, en fait. Hein. Dieu de la glisse. Ah! Ah, celui-là, il se casse, en fait. Ah, oh, je l'ai fait évoluer. Waouh, c'est délire. Je pourrais enchaîner les coups à toute vitesse avec une armure pareille. Je vais tout de suite demander à être transféré dans la cité perdue. Ah, oh, je l'ai fait évoluer. Tellement de trucs marrants dans le jeu. Mais attends, quel meilleur super pouvoir que celui de la condescendance, mec. Non, mais c'est bon. Il est tellement mieux que Shovel Knight, ce personnage, maintenant. A partir de là, j'ai plus besoin de rien d'autre. Hein. Wouh ! Non mais clairement, j'ai tellement plus besoin de rien d'autre dans ma vie, en fait, là. Qui a eu cette idée? C'est un grand génie. Bon bref, avec ce super pouvoir de la condescendance et de la glissade partout, je pense que je vais arrêter le stream là-dessus. Je suis le dieu de la glisse, n'oubliez jamais ça. Et du coup, est-ce qu'il me dit quelque chose, puisque je suis le dieu de la glisse maintenant quand même? Il y a un mec quand même qui doit me respecter maintenant, je suis le dieu de la glisse. Peut-être me donner de l'argent. Je travaille pour ma technique. Ah ouais, non, non, il m'a rembrassé. Ah ouais, c'est ça. No! Et toi, tu me donnes de l'argent? L'explosatorium est clairement notre seul quartier général. Plague Knight est toujours fourré là-bas. Il n'en sort jamais, il va nulle part vraiment. Ah, il me donne des sous, c'est bien. Donnez-moi tous des sous. Oh, c'est vous, je vous ai vu traverser plein d'écrans de la classe. Prenons un jus, c'est moi qui offre. Ah, ouais, il m'a déjà donné des sous, lui. C'est pour ça qu'il m'ordonne pas à volonté. Et toi, tu me donnes des sous, toi? Être immortel, ça finit par devenir ennuyeux. Nous autres âmes perdues, nous sommes souvent bien contents qu'on nous donne quelque chose à faire. Je continue de parler aux gens vite fait, mais bon. Ça va fort, les clients se bousculent, merci d'avoir contribué à leur relancer mon affaire. Voilà, tout à fait. Voilà, bon, cette fois-ci, c'est bel et bien... Ah oui, donc c'est bien par là qu'il faut passer. Je vais juste regarder si l'autre il me donne quelque chose, maintenant que je suis un dieu de la glisse, et... la vraie fin. Ouais, non, il s'en fout. On n'a plus qu'à quitter le jeu. Eh oui, on quitte le jeu. Ma souris a disparu. Loin de là où elle devait être. On remet sur la scène 1, ça c'est faux, évidemment, vous le savez, hein. C'est un stream, un message mensonger. On va finir sur une petite musique. Merci d'être passé, Fenrir. Hein. Toujours chouette de te voir. Ouais, non, pas celle-là. Une autre. Une autre musique. Parce que j'ai pas envie de mettre celle-là. Alors j'en mets une autre, c'est moi qui décide. C'est mon stream. Hein. C'est quoi celle-là? Non, pas celle-là. Non plus. Oh là là! Oh non, non, non. Allons chercher quelque chose d'autre. Il me faut quelque chose d'autre, évidemment. Quelque chose de fort. Quelque chose de beau. Quelque chose de puissant. Et je prends quelque chose qui sera plutôt doux, en fait. Et rien de tout ce que j'ai raconté. Allez. Ah, une musique douce. Parfait, c'est tout à fait ça.
Bonne nuit. Petite musique douce.